Et quand je vois, vous savez, quand j'ai vu George Floyd sous le genou de ce policier, j'ai pas pu finir la vidéo. Parce que j'en ai vu des jeunes. Qui étaient interpellés, qui ne revenaient pas. Moi, je me souviens, j'avais commencé à travailler à Paris, maman m'appelait. Elle me disait, il y a une telle et son fils, il est embarqué, on n'a pas de nouvelles, viens. Je prenais le TGV, je descendais à Chalon. Je rédigeais des lettres et des lettres et des lettres. Je repartais, maman me rappelait, elle me disait, je lui disais, mais maman, il faut que je travaille aussi. Et elle me disait, Rachida, si tu as réussi, c'est aussi pour nous, c'est aussi pour les autres.